على حب ابي عبد الله ثالثا على اصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Comme d'habitude, on parle quelques minutes en français pour le francophone et pour les jeunes, inshallah. Aujourd'hui et ce soir, c'est la soirée de Ali al-Akbar, salawatullah wa salamu alayhi. Ali ibn al-Akbar, qu'il était barran biwalide wa biwalidei, il était un des meilleurs exemples des bons enfants avec leurs parents. Comme hier soir, qu'il était les soirées de Al-Qasim, le meilleur caractère de d'un mu'min, c'est d'être bien avec les plus proches. Et il n'y a pas de plus proche que les parents. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il veut bien voir la fidélité de l'être humain par la fidélité vers nos parents. Si on n'est pas fidèle avec nos parents, on ne va pas être fidèle avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on trouve que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, dans le Saint-Coran, il parle plusieurs fois et dans plusieurs endroits et il répète l'importance des parents. Et chaque fois qu'il parle d'unicité, de tawhid, qu'il est le pilier de din, il parle de ça. On voit que Ali ibn al-Akbar, salawatullah wa salamu alayhi, le meilleur caractère, c'était le akhlaq de Ali ibn al-Akbar. Il a dit, l'imam al-Hussein alayhi salam, أشبه الناس خلقا وخلقا خلقا وخلقا ومنطقا برسولك. اللهم صل على محمد وآل محمد. Ça veut dire que le caractère qu'il a fait Ali al-Akbar, Ali al-Akbar, c'est le comportement, c'est la parole. Comment il parle, comment il fait et comment il a comme comportement vers déjà le premier pas vers les parents et après vers les autres. Inch'Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et qu'il aide tous les jeunes dans cette ville-là d'être satisfait par Allah subhanahu wa ta'ala, par le projeté et la bonté qu'ils ont vers leurs proches et surtout leurs parents. Et inshallah, on va continuer notre parole qui est liée à ce sujet dans notre parole, dans le discours en arabe, inshallah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne l'occasion d'appliquer ce qu'on entend et ce qu'on écoute.